Bienvenue sur ma chaîne Wesh pour les petits bricolos. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'installation, sur le montage d'une prise commandée. Alors toutes ces explications en images. Alors mes petits bricolos, les choses à savoir sur la prise commandée. Donc je vous déconseille de passer ce petit passage. Souvent on dit toujours rébarbatif, mais j'ai des choses à dire sur la prise commandée. Il y a des règles à respecter pour votre sécurité et celle des autres, mes petits bricolos. Alors je vais essayer de faire très très vite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur la prise commandée, donc déjà à quoi elle sert. La prise commandée sert à contrôler l'allumage ou l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire par le biais d'un interrupteur, comme vous pouvez le voir à l'image. Mais par contre, point de vue de la norme NFC 1500, la prise électrique commandée par un interrupteur est considérée comme un point lumineux, puisqu'on allume une lampe ou un lampadaire. Donc, il y a des obligations, il y a des règles à respecter. La première, la prise commandée doit être alimentée par le circuit lumière, c'est-à-dire, dans votre tableau électrique, vous avez plusieurs rangées avec des disjoncteurs différentiels 30 mm. Il faut que votre disjoncteur 10 ampères ou 16 ampères maxi de votre circuit donc lumière PC commandé doit être sur la rangée avec toutes les protections concernant l'éclairage. Deuxième point, la PC commandée ne doit pas alimenter un équipement consommant plus de 16 ampères. Ok ? Et puis, autre chose, l'interrupteur que l'on voit ici dans cette pièce ne doit pas commander plus de 2 prises. Hein, on est à 2 prises maximum et dans la même pièce. On ne doit pas piloter une PC commandée dans un salon et une autre, admettons, dans une chambre qui se trouverait derrière la cloison. D'accord ? Dans la même pièce. Si on dépasse 3 prises commandées, on doit ajouter un télérupteur ou un contacteur ou éventuellement un dispositif domotique. Voilà ce qu'il faut savoir sur la prise commandée. Maintenant, nous allons passer au schéma. Alors, au niveau du schéma, vous vous souvenez du simple allumage, le disjoncteur, l'interrupteur et la boîte DCL. Eh bien, on va changer. Donc, par rapport au schéma précédent, aucune modification. À part à cet endroit, on n'a plus de boîte DCL, on a une prise à la place. Sinon, le principe de fonctionnement est exactement le même avec, bien sûr, l'interrupteur. À savoir qu'on peut faire exactement le même montage avec le va-et-vient. Donc, si vous ne savez pas, je vous invite à regarder les vidéos à ce sujet sur la chaîne. Deuxième constat, ici, on n'a pas un fil rouge qui alimente la prise de courant. Habituellement, sur vos prises de courant, vous avez un fil rouge, un fil bleu et un vert jaune. Là, je vous rappelle, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est sur un circuit d'éclairage. Cette prise ne va pas servir à brancher un fer à repasser, d'accord ? Ni une machine à laver. Elle va servir simplement pour une lampe ou un lampadaire. Donc, on est sur un circuit d'éclairage. Le fil est de la même couleur qu'un retour lampe, donc un violet, un orange, un marron, mais surtout pas un fil rouge. Alors, vu de derrière, hein, bien sûr, hein, l'interrupteur, ok, je ne reviens pas sur le branchement, la prise de courant, bien sûr, vous allez avoir le neutre, la terre, et puis bien sûr le retour donc, de l'interrupteur, l'alimentation de la prise en L, un fil violet, orange ou marron. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, soyez prudents, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!